Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai. On ne peut pas acheter Dieu. Il n'y a rien qui puisse l'acheter. Sur la terre, on peut acheter tout ce qu'on veut. Même les hommes en achètent. Mais Dieu, on ne peut pas l'acheter. Pour l'acheter, il faut le voir. Or, personne ne voit Dieu. Il y a un écho, mais c'est trop fort ici. Que Dieu bénisse chacun de nous. Allons prier avant de d'approcher la parole. Bien-aimé Père Céleste, nous sommes à la fin des temps. Et quand nous regardons le monde qui se disloque, il est dans sa patrie. Et Malachie 4 s'est complètement accompli. Nous ne pouvons que faire attention. Faire attention parce que tes promesses se soient accomplies pleinement. De sorte que nous ne puissions pas, Seigneur, nous laisser séduire ou entraîner à des rêveries. Nous voulons rester accrochés à la vérité. Marcher avec toi. Tu as même dit que en ces temps-là, on verra le jour de Lot. Et c'est vrai, ce jour est palpable. Aujourd'hui, la méchanceté, le cœur de l'homme est tourné vraiment vers le mal. Quand nous arrivons de voir ce qui se passe dans les mers avec les bateaux qui veulent aller dans les pays occidentaux, comment les gens sont traités, maltraités, jetés à l'eau, nous voyons que le cœur de l'homme est devenu très méchant. C'est vrai. Quand nous voyons les vols, les tueries, les assassinats, nous n'en avons compte que peur. Le cœur de l'homme est devenu très méchant. Au point où l'homme ne craint plus Dieu. Même là où on pense pouvoir parler de Dieu pour que les gens se convertissent, la crainte de Dieu n'est plus. Notre Père. Le temps de Lot aussi est plus que présent. Avant, quand on parlait d'homosexualité ou même de la pédophilie, ces personnes-là rasaient les murs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des lois pour les protéger. C'est les autres qui sont des minorités aujourd'hui. Fais grâce. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos yeux. Afin que nous voyons tes paroles s'accomplir devant nous. Les promesses s'accomplir également. Pour que nous ne puissions pas, Seigneur, encore rester à la traîne. Soutiens-nous, fortifie-nous, donne un cœur humble, un cœur simple, un cœur pur, un cœur honnête et bon. Ça nous manque beaucoup aujourd'hui, Seigneur. Aussi, nous crions à toi. Donne-nous un nouveau cœur. Prends un nouveau cœur, Père. Oh Dieu, afin que au milieu de tes enfants, ce cœur puisse agir. On puisse voir le cœur des enfants de Dieu différent du cœur de ceux qui ne croient pas. Tu as promis de faire la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas, ceux qui te croient et ceux qui ne te croient pas. Seigneur, que le livre soit écrit. Donne-nous de parler à nos frères, de nous parler les uns aux autres, de nous exhorter, de nous encourager à ne faire que ce qui est droit, ce qui est juste et bon devant toi. Seigneur, nous recommandons ce moment que nous allons passer dans tes mains. Aujourd'hui, partout les hommes prêchent. Les femmes même prêchent. Seigneur, si ta parole n'est pas vivifiée par l'Esprit, elle ne peut pas produire la vie dans ceux qui l'entendent. Voilà pourquoi nous demandons que tu viennes toi-même vivifier ta parole, afin qu'elle produise ta vie en nous. Que nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui écoutent et qui oublient quand ils partent, mais que Seigneur, cela reste et demeure et donne-nous de vivre ce que tu nous as donné. Sois loué et glorifié, parce que nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Comme hier, on en parlait déjà à Corée, nous allons continuer notre réunion, notre passage de Colossiens 3. Mais je voulais quand même qu'on relise ce qu'on a lu à Corée, s'agissant de 1 Samuel 16, là.
Je vous fais un bref rappel. Parce que moi, j'ai continué de lire et de méditer ce passage. Je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que cela doit pouvoir aider chacun de nous aujourd'hui. Il y a le verset 16, le verset 6. 1 Samuel 16. C'est Samuel qui va pour chercher à oindre un roi après le rejet de Saül par Dieu. Dieu l'envoie pour oindre un roi dans la maison du Bethlémite et Isaïe. Et selon les instructions précises, quand il est arrivé, ils sont entrés dans le lieu d'adoration et voilà ce qui est dit. Lorsqu'ils entrèrent, c'est Samuel qui se dit, en voyant Eliab, le premier fils, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Vous regardez bien les mots, hein? Il dit bien loin. Celui qui est loin de Dieu, là, certainement, je suis au verset 6. Loin de Dieu, loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Il y a des termes ici qui sont à prendre au sérieux. Celui pour qui Samuel est parti, c'est celui qui est déjà choisi comme loin de Dieu. De sorte que quand il a vu le premier fils, il dit certainement, c'est celui-là que Dieu choisit. Parce que pourquoi? Il est beau, il est grand de taille et tout. Et Dieu dit, regarde les termes, hein. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Ne prends point garde à son apparence. Bien-aimé, comme je le disais à Corée, prenons garde. Même dans nos relations, entre nous, faisons attention. Vous savez, je peux bien ici rappeler beaucoup de choses que nous autres, on a vécues dans ce message là dès le départ. On a pris des gens comme des modèles. On a pensé que c'est des personnes qui avaient une sainte conduite devant Dieu. Au point où on ne peut même pas accepter, on n'avait pas le droit d'accepter de toute façon, qu'on parle mal de telle ou telle personne. Moi, je n'ai pas t'écouter. Je vais vous dire. Il y a des choses que je n'acceptais pas en ce temps-là. Les villageois disaient, de tous, il y a un seul croyant. Il nous attend. On est nombreux. Comment il y a un seul qui est croyant au milieu de nous? Ce n'est pas possible. Nous sommes à l'église, on lit la Bible, on prie, on prêche, et puis on nous dit qu'il y a un seul qui est converti. Cependant, ils ne sont pas avec nous. Les villageois, hein, ils ne sont pas avec nous. Ils ne viennent pas au milieu de nous. Mais ils disent qu'il y a un seul qui est converti. Plus tard, quand le temps a passé, et qu'on a observé, on s'est rendu compte. La fois dernière, je parlais avec une sœur qui me dit, tu sais, beaucoup vivaient cette vie-là. Et comme ils ne voulaient pas qu'on sache, c'est ça qu'ils sont partis. Mais c'est des gens pour lesquels on avait beaucoup de respect. Mais en bas, c'était n'importe quoi. Les objectifs n'étaient pas du tout bons. Et si vous poursuivez la lecture, vous verrez également après,
le cœur de cet homme-là, Eliab, qui est l'ennemi, vous allez voir son cœur. C'est donc que le Seigneur dit, lui, je l'ai rejeté. Il ne faut pas regarder à son apparence. Il ne faut pas regarder à ce que tu vois. Ce que tu vois là, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui importe, il va continuer. Regardez bien. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Bien-aimé, suivez bien ça. L'Éternel ne considère pas ce que les hommes considèrent. Quand on voit des gens apprécier quelque chose, on peut même vous ne pas vous apprécier. On peut vous rejeter. On peut vous chasser. Prenez garde. Ne vous plaignez pas. Parce que c'est ce que l'œil voit. C'est ce que le monde voit. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. C'est pour ça que, frère, ce qui est important, la Bible dit, nous devons recevoir le témoignage de Dieu, mais aussi le témoignage des hommes. C'est vrai. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu, là, est plus grand. Dieu prouve toujours, donne toute la preuve de ceux qui sont à lui. Il les justifie et il apporte toute la preuve qu'il est avec ces personnes-là, qui sont à lui. Avez-vous vu quelqu'un une fois que Dieu a appelé et puis dans les situations les plus difficiles, Dieu l'a abandonné? Non. Donc si on vous rejette, soyez tranquille. Ayez une seule chose, l'assurance que vous êtes dans la pleine volonté de Dieu. Ça, j'insiste, frère. Et vous qui écoutez en ligne, prêtez attention. Ayez la pleine assurance que vous-même, là, vous avez la certitude que Dieu est avec vous. C'est ce qui importe. Regardez Paul. Il a persécuté. Il a chassé. Les gens l'applaudissaient. Tout le monde l'aimait. Quand il persécutait, il tuait, tout le monde était content. Mais un jour, il est le seul qui a vécu l'expérience dans son corps. Il est le seul qui a été aveugle. Les autres n'ont pas été aveugles. Le seul qui est passé pendant 3 jours là dans l'obscurité noire. Il est aussi le seul qui a reçu la main de Ananias, qui est venu lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. C'est lui seul qui a entendu la voix lui donnant des instructions précises de ce qu'il doit accomplir demain. C'est faux? Quand il a reçu cela, qui encore l'a accepté? Qui l'avait aimé? Même les croyants au milieu desquels il partait là, il y en a qui avaient peur de lui. On dit lui là, ce qu'on a appris de lui avant là, est-ce qu'il a vraiment changé? Mais lui sait que désormais il n'est plus le même Saul. Il n'est plus le même persécuteur. Il regrette même certainement la mort d'Étienne. Mais c'est déjà trop tard. Donc ce qui importe aujourd'hui, frère, pour chacun de nous, c'est avoir la certitude. Regardez Pierre. Le Seigneur savait ce qu'allait arriver à Pierre. Il a dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai pris pour toi. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est Pierre ceux qui ont entendu. Et quand l'heure est venue de renier son maître, il n'a pas fait frère. Il a renié. Comme Judas aussi, il a renié aussi. Mais ce n'est pas la même expérience. Hein. Parce qu'auparavant, le Seigneur l'a dit, je te remets les clés du royaume. Soyez certains de votre expérience avec Dieu. On pourra vous la contester. Regardez bien, frère. Quand frère Branham, Dieu lui a parlé, et qu'il a commencé à parler, qui a cru? On parle de son niveau intellectuel, un homme d'école primaire, d'études primaires, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il ne s'était pas attaché à ce que Dieu l'a dit comme vérité, nous n'aurons pas eu le message aujourd'hui. Nous n'avons pas eu, hein? Mais il est resté attaché à ce qu'il a entendu de Dieu. C'est pour ça que c'est important, frère, vous-même, quand David va aller sur le champ de bataille, j'avance un peu pour revenir à mon message tout de suite.
Quand David est parti sur le champ de bataille, il n'était pas parti pour se battre. Mais quand il est arrivé sur le champ de bataille, qu'il a vu que le peuple d'Israël ne peut pas affronter l'ennemi, dans son cœur, il ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a une disposition particulière pour adorer Dieu. Les autres vont, je dis bien, prêtez bien attention à ce que j'ai dit. Il a une disposition particulière dans son cœur pour servir Dieu. Les autres n'ont pas la même préoccupation dans leur cœur. Ces frères-là ont suivi Saül sur le champ de bataille. Ils pensaient c'est aller se battre pour venir apprendre, on a gagné la bataille. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ils ont trouvé un plus coriace que eux, qui peut leur lancer des défis pendant 40 jours. Vous voyez bien, pendant 40 jours, toute une armée est mise en défaite. Quand il dit qu'il allait se battre, on dit, mais toi, tu es un jeune homme, tu n'as pas appris à te battre. Il lui a dit, tu sais, le roi, quand j'élevais les brebis de mon père, j'étais confronté par moi à des lions et à des ours. Je n'ai autorisé à aucun des lions, à aucun des ours de partir avec une brebis. Je les frappais, j'arrachais. Et se dresse, je le tue. Quelqu'un qui se bat avec un ours, vous connaissez la taille d'un ours? C'est souvent 3 mètres de hauteur. Un lion, il le tue. Le gringalet qu'on voit avec les yeux beaux, bleus, et ça, il ne faut pas qu'il meure là. Il avait une disposition particulière dans son cœur pour se battre contre n'importe quoi. Il a son témoignage que les autres n'ont pas. Même son père ne savait pas. Ses frères ne savaient pas. Si ses frères savaient là, c'était qu'un l'avait vu, mais il ne savait pas. Il va révéler son secret au roi. Et puis les gens pensaient qu'ils savaient que les âmes naturelles qu'on se bat. Le chrétien ne se bat pas avec les âmes naturelles. Il se bat avec les âmes spirituelles. C'est pour ça que les âmes que David a prises pour battre Goliath n'est pas les âmes habituelles qu'on prend pour la guerre. Ce n'est pas la même âme. Hein. Frère, quand le peuple devait sortir de l'Égypte, il y a une voie pour arriver sur la terre promise facilement. Mais Dieu a changé le chemin pour pouvoir tester leur cœur, éprouver leur cœur, savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Dieu ne change pas. Sachez que nous sommes au temps où Dieu fait la même chose. Si nous sommes vraiment dans le troisième exode, soyez certains que les mêmes épreuves seront posées, nous les rencontrons devant nous. Soyez certains. David est parti. La grâce de Dieu l'a accompagné. Il a battu Goliath. Quand il a battu Goliath, tout le monde a eu la force maintenant pour poursuivre les ennemis. Dès que le plus grand est tombé, les autres sont déjà découragés. Mais c'est pour ça que le Seigneur dit ici, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Certainement que quand David est arrivé sur le champ de bataille, on l'a vu comme qui? Un jeune homme. Tu n'es qu'un jeune homme. Lui, là, c'est un homme de guerre. Il a appris à se battre depuis sa jeunesse. Mais toi, tu es un jeune homme. Tu n'as jamais appris à te battre. Tu n'es pas jamais allé en guerre. Donc, viens prendre toute l'armure là, le casque, le bouclier, la cuirasse. Tu prends ça, tu prends même mon épée, le javelot. Tu prends tout ça. David ne connaissait pas ça. Il connaît sa fronde, il connaît ses pierres. C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Donc, veillons sur l'état de nos cœurs. Et je vous ai toujours dit une chose. Il n'y a rien qu'on puisse vivre ici. Si auparavant, dans nos cœurs, cela n'existe pas. Hier, j'ai dit, faites attention à ce qu'on prononce comme parole. Et je vous ai lu dans Matthieu 12, 35, 34, 35, 36. Faisons attention. C'est le temps où le croyant doit très peu parler. Et puis, soyez capable de vous pardonner les uns les autres. Les difficultés viendront, les problèmes viendront, mais soyez animés d'un esprit de paix. Vous faites la paix partout, partout, partout. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aussi longtemps ça peut dépendre de vous.
Maintenant, si vous avez fait tout ce qu'il faut et que celui qui est en face ne veut pas du tout comprendre, retirez-vous simplement. Vous avez fait ce que vous pouvez faire. Dieu va s'occuper du reste. Que Dieu nous bénisse. Retournons dans notre livre de Colossiens. Pour le terminer, on est arrivé sur le verset 16. On doit terminer le verset 17. Mais je reprends à partir du verset 15 pour revenir. Colossiens 3. On va aller à partir du verset 15. Et on va rester un peu longtemps sur le verset 16. On a encore une heure et demie, on peut passer ensemble. Verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous formez un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Alléluia. Dimanche soir passé, on en a parlé, je voulais quand même qu'on revienne là-dessus. La paix de Christ à laquelle on a été appelé pour former un seul corps. Quand on va dans 1 Corinthiens 12, il a parlé de verset 12 également. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà le moyen par lequel nous pouvons former un corps. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est pour ça que, frère, j'oubliais, ce vendredi qui arrive là, nous nous retrouver pour prier. Qu'on fasse un effort pour être là ensemble, pour prier ensemble. Vendredi passé, l'autre vendredi, c'était tellement bon pour ceux qui étaient là. Venez dans nous prier ensemble pour présenter nos problèmes au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et comme je disais tout à l'heure, frère, le seul moyen qui nous a été donné pour participer au corps de Christ, c'est ce qui est écrit ici. Il faut que nous soyons... C'est pour ça que, frère, après la Pentecôte, on dit que la multitude qui avait cru était un cœur et une âme. Un cœur. Une âme. On ne peut pas le faire en dehors de l'Esprit de Dieu. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les problèmes que nous avons dans nos églises, c'est un problème de conversion et de baptême du Saint-Esprit. Le plus gros problème qu'on peut, frère, ce n'est pas le temps de prétendre avoir une chose qu'on n'a pas. Soyez certain de l'avoir eu. Et ça produit du fruit. Frère, quand quelqu'un a le Saint-Esprit là, vous ne faites pas d'effort pour voir qu'il l'a. Quand un enfant naît, est-ce qu'on fait des efforts pour savoir qu'un enfant est né? Non. Il fait du bruit. On le voit, il est vivant. On sait. Il en est de même pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. On voit la manifestation de l'Esprit par eux, dans leur vie. Ne prétendons pas que nous avons le Saint-Esprit. Qu'on voit ça. Ta vie doit être égale à frère, sœur. Jean-Marie est là, je lui ai dit. La première fois, il m'a posé la question qu'elle était au Gabon où il est parti. Il m'a posé une question, il m'a dit, mais papa, est-ce que c'est nous qui nous flagellons ou bien c'est nous-mêmes qui compliquons la marche? Il dit, quel est le problème? Il m'a dit, ce que tu sais, tu sais, prends un Chinois, prends un Américain, prends un Africain, prends un Européen.
si tous ceux-là ont le même esprit devant un problème, le même problème, ils ont la même réaction. Il ne peut pas avoir des réactions différentes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous. Le Seigneur dit, à l'heure même là, il vous sera donné ce que vous avez à dire. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir à votre manière de réagir. Vous n'en aurez pas, vous n'aurez pas le temps. L'Esprit de Dieu vous dira comment vous conduire. De même qu'il t'en parle, de la même situation, ailleurs la personne a réagi de la même manière. Frère, quand on est venu au message là, il y a des choses qu'on ne nous a pas enseignées. La dîme, on ne nous a pas enseigné la dîme. Mais Dieu nous a conduit à voir qu'on doit payer la dîme. Et quand on a payé la dîme, la bénédiction a suivi. Ça, on ne demande pas ça pour que Dieu nous bénisse. Hein. Non, non, non. Aujourd'hui, je sais parmi vous, il y en a qui également passent par ce chemin-là, ils voient. Laissez Dieu vous conduire. Laissez votre vie entre les mains du Seigneur. Et les hommes verront que vous êtes un chrétien. Tout le monde autour de vous le dira. C'est vrai. Tout à l'heure, je vous parlais de Kouté. Mais qui a dit aux autres là que nous sommes des chrétiens et puis les autres ne sont pas des chrétiens? La vie qu'on mène là, frère, il est transparent. La vie d'un croyant est transparent. Quand vous voyez une vie qui est opaque, posez-vous la question. Est-ce que Dieu est dedans, oui ou non? La vie d'un chrétien, là, il est transparent, il est lucide, translucide, vous parlez comme ça. Il n'a rien à cacher. Pas qu'il ne peut pas se tromper. Mais quand il se trompe, reprenez-le. Il va dire, frère, pardonnez-moi. Sœur, pardonnez-moi. Il ne fera pas d'histoire. Parce que son souci, c'est qu'il veut plaire à Dieu. Le Seigneur dit, je ne suis pas seul. Parce que je fais tout ce qui est agréable à celui qui m'a envoyé là. Je lui fais tout ce qui est agréable à lui. Et il ne m'a jamais laissé seul. Frère, si nous faisons toujours ce qui est agréable au Seigneur, nous ne serons jamais seuls non plus. De sorte que, frère, formant un seul corps, nous avons été appelés par la paix que Christ donne. Pour former un seul corps. Comment on peut se battre dans un seul corps? Est-ce que vos bras se battent? Vos mains se battent? Vos pieds se battent? Non! Peut-être Vincent de l'autre côté, moi ici, si on n'a pas le même esprit, on va se battre tout de suite. Une seule parole peut nous diviser. Mais moi là, c'est moi-même. Quelle parole qui peut me diviser moi? Donc, frères, si nous sommes en Christ, nous serons un. Et nous marcherons comme il se doit. Et les autres verront cela. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous avez l'amour les uns pour les autres, cela sera le signe que vous lui appartenez. L'amour, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui le donne. Aussi longtemps que vous l'avez pas, frère, vous allez aimer aujourd'hui. Demain, quelque chose va vous choquer, vous ne serez pas d'accord. Même dans la maison. Même dans le foyer. Si l'amour n'est pas au beau fixe, pourquoi les hommes divorcent? Pourquoi les femmes et les hommes, leur mari divorcent? Ben, l'amour est parti. Je crois que c'est Léon qui parlait à un couple qui voulait divorcer. Et puis, il a posé une question simple. La première fois où vous êtes retrouvés là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous pouvez me rappeler les paroles que vous avez prononcées? Madame, est-ce que vous pouvez me rappeler la parole que vous avez prononcée? Monsieur, la parole que vous avez dit, est-ce que vous pouvez me rappeler ça? Quand chacun a prononcé ces paroles-là, leur divergence s'est arrêtée. Leur divergence s'est arrêtée. Ils se sont vus comme au commencement. Non, c'est ce que vous avez dit? Mais pourquoi on ne peut pas reprendre les paroles aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ces paroles-là sont parties? Revenez à ce début-là. La demande de divorce est annulée. Ça, c'est le monde. Hein? C'est le monde. À forte raison des croyants. Quand le jour de ton engagement, tu dis, Seigneur, je me fais baptiser et je prends l'engagement de marcher avec toi tous les jours de ma vie.
Ça a changé? Cet engagement a changé? Est-ce que le mode de fonctionnement des croyants par le Saint-Esprit a changé aussi? Non. Ça n'a pas changé. Donc, si ça change à ton niveau, c'est qu'il y a un problème. Comprenons bien, frère. Ici, nous sommes dans un corps qui est unique. Dans ce corps-là, il ne peut pas avoir de bataille. Il ne peut pas. C'est ceux qui vont venir s'incruster là qui vont commencer à faire des problèmes. Et on poursuit, quand on parle de même, on retourne le verset 27 du même passage, du même chapitre. Le 27. C'est encore un peu plus fort. Vous êtes le corps de Christ. C'est une forte affirmation. L'apôtre Paul dit, nous sommes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Christ va se battre contre lui-même. Si Christ ne peut pas se battre, les membres de Christ ne peuvent pas se battre les uns contre les autres. La paix de Christ à laquelle vous avez été appelé a pour objectif de faire de vous un seul corps et que cette paix-là règne dans vos membres, règne dans vos cœurs, règne là où Christ veut rester, que cette paix-là règne dans nos cœurs. Je disais hier que, frère, dans un royaume, le roi y règne. Les ordres du roi sont appliqués à la lettre. Notre royaume, c'est Christ qui règne là. Quiconque est membre du royaume de Christ respectera ce que Christ dit, vivra ce que Christ dit, obéira à ce que Christ dit, marchera selon ce que Christ dit. Le contraire, c'est que tu n'es pas dans le royaume. Commençons depuis les foyers, jusqu'au bout. C'est qu'on n'est pas dans ce royaume. C'est dans ce royaume-là. Toutes les pratiques, toutes les ordonnances pour chaque niveau, il y a toujours des cellules. Hein. Quand vous prenez là, on va décrire, il y a l'homme, toi seul, il y a le petit foyer dans lequel tu es, et puis il y a la famille, et puis il y a l'église. Si ici déjà, ça ne marche pas bien, quand vous vous retrouvez en haut là-bas, ça va marcher. Parce que c'est le petit poignet de ça. C'est chaque poignet qui vient, qui fait un gros poignet, qui vient ensemble. C'est pour ça que, frère, veillons depuis la maison. La fois dernière, je vous disais, il y a des gens qui font parler avec leurs femmes à la maison, des prédicateurs, ils font parler à la maison, et puis ils viennent à la chaîne pour prêcher. Mais tu vas prêcher quoi? Par qui tu vas parler? Par quel esprit va te parler? Quel esprit qui va te pousser à parler? Tu as dit, si aujourd'hui quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui dois parler, c'est Dieu qui doit parler par ta bouche. Parce qu'autrefois, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et aujourd'hui, on veut parler. Que Dieu nous aide. Aussi longtemps c'est nous qui parlons, ça ne produira pas la vie. Ça ne apportera rien du tout. Mais si c'est Dieu qui parle, sa parole produit toujours la vie parce que son esprit vivifie cette parole-là. On est d'accord? Que Dieu nous bénisse. On reprend notre passage de Colossiens. On va lire rapidement. Je voulais qu'on finisse aujourd'hui. Que et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un corps. Bon, l'objectif est clair. Hein? L'objectif c'est qu'on forme un corps, frère. On soit membres les uns des autres. Et dans ce corps, il ne peut pas avoir des histoires, il ne peut pas avoir des palabres. Le choix est fait. Ce qui divise, c'est les religions aujourd'hui. Hein. Et puis, regardez bien, frère, souvent, c'est... Comment je peux appeler ça? C'est les désirs personnels des gens qui créent des problèmes. Chacun veut être grand. Chacun veut être ceci. Tu devais être ceci. Cette forme de convoitise a créé des problèmes.
Et souvent, le peuple de Dieu ne souffre que parce qu'en haut là-bas, à la tête, les gens ne s'entendent pas. Le peuple de Dieu va souffrir parce qu'à la tête là, les gens ne s'entendent pas. Chacun voit d'une manière, l'autre voit d'une manière. Mais pourquoi ça peut arriver? Parce que tous les deux là, ou tous les trois là, ou les quatre, ou les cinq, n'ont pas le même esprit. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas le même esprit, ça ne marchera pas du tout. La bonne volonté ne conduit pas Dieu, ne conduit pas le peuple de Dieu. Notre bonne volonté ne peut pas vous conduire. Ce qui peut nous conduire, nous tous, c'est l'Esprit de Dieu seul. Ça, nous devons le comprendre. Et si nous sommes appelés à former un seul corps, mais cette paix qui nous permet de former un seul corps doit régner en nous. Aussi longtemps la paix ne règne pas en nous, on ne peut pas former un seul corps. Là. Parce que celui qui n'a pas la paix, comprenez bien, si dans le corps, là, il y a deux ou trois, il ne peut pas être dans le corps de toute façon. S'ils ne peuvent pas porter la paix, ils ne sont pas dans le corps. La paix n'est pas en eux. Parce que la Bible dit, ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Si tu ne peux pas procurer la paix, tu ne peux pas être fils de Dieu. Or, si moi, je procure la paix, toi, tu procures la paix, elle procure la paix, quand nous serons ensemble, nous allons procurer la paix. Il ne peut pas avoir de divergence. C'est tellement simple à comprendre. Malheureusement, on ne comprend pas ça comme ça. Si on pouvait tous comprendre ça comme ça, que le premier problème se trouve à mon niveau personnel. Est-ce que la paix de Christ habite en moi, règne en moi? Aussi longtemps la paix de Christ ne règne pas en toi, quand tu rentres dans n'importe quel milieu, ça se verra plus tard. Mais si la paix de Christ habite en toi, quand tu iras aussi dans ce milieu-là, ça se verra également. Parce que tu as trouvé les hommes de paix comme toi. Frères et sœurs, le temps est venu où chacun doit se jauger lui-même et jauger son propre comportement, sa propre nature, se demander est-ce que je suis en ordre par rapport à ce que l'Écriture dit. Et mais il n'est pas trop tard. Si on n'y est pas, il n'est pas trop tard. Le temps est venu où chacun doit se mettre à genoux jusqu'à ce que... Consacrons-nous. Apprenons à nous consacrer au Seigneur et à voir là où il y a des faiblesses, les porter vraiment le Seigneur jusqu'à ce que la solution soit apportée. Lui seul peut donner la solution, frère. Maintenant, allons-y. Ici, verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. On va s'arrêter un peu sur la parole. Que nous voyons, parce qu'on va parler de la richesse, on voit combien de fois cette richesse-là, elle est abondante pour le croyant. Si on prend d'abord Jean chapitre 1, nous on connaît ça, hein, mais je voulais quand même qu'on regarde certaines choses simplement, comme les gens peuvent dire, regardons sa foi simplement. Le verset 1. Ensuite, on lit le verset 3 et 4. Ensuite, on lit le verset 9 à 13. Jean, chapitre 1. Le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si on s'arrête là, frère, cela signifie que si nous avons la parole, nous avons Dieu. Nous avons Dieu, nous avons tout ce que Dieu possède. Tout ce que Dieu possède nous appartient. Parce qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu, mais la parole était Dieu. Et si toi, aujourd'hui, la parole vit en toi, mais toute la richesse qui est dans cette parole t'appartient. Tout. Donc, tout ce que Dieu a, Dieu t'a ouvert un compte, il t'a même donné un chéquier gratuit. Tu peux tirer pour voir tout le trésor qui est dedans. Je vous ai dit qu'on va parler un matin de pourquoi Marc 16 ne s'accomplit pas dans notre vie. C'est ça, non? Sois tranquille.
On va continuer, on va tourner un peu jusqu'à la fin, on va tomber dessus. Ce dont on parle aujourd'hui là, c'est depuis quand? C'est depuis janvier que je l'avais, ce sujet-là, hein? Le jeu dont on parle maintenant, c'est depuis janvier. On n'en passe pas dans le mois de mai. On a laissé prêcher d'autres choses jusqu'à ce qu'on en arrive là pour venir l'aborder aujourd'hui. On se laisse seulement conduire pour qu'on arrive. Peut-être c'est le bon moment, je ne peux rien vous dire, mais peut-être c'est le bon moment où on doit en parler. Et on en parle maintenant. Donc revenons. Il dit que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Donc, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et si la parole est Dieu, nous devons savoir que si la parole de Dieu habite en nous, il n'y a pas moyen que la richesse de la parole ne soit pas avec nous, ne demeure pas dans nous. Parce que regardez bien dit, que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. D'abord, il faut que la parole demeure en toi, il faut qu'elle soit en toi. Avant que la richesse qu'elle contient là, toi-même, te soit donnée, il faut que d'abord tu aies la parole en toi. Je lis avec vous Jean, allons-y, regardez, ça me vient. Moi, le lis, je ne sais pas si j'ai noté, enfin, j'ai noté beaucoup de passages. Mais allons-y, voir dans Jean 14, je vais regarder rapidement. Donc, prenons Jean 15 plutôt. Prenons Jean 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors dites-moi qu'est-ce qui est exclu de ce qu'on peut demander? Rien. Alors rien du tout. Si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, nous pouvons lui demander tout ce dont nous avons besoin. Il dit cela vous sera accordé. Frère, tout va être accordé. C'est lui qui l'a dit. Prenons-le au mot. Mais la condition, c'est que nous demeurons à lui. Et que sa parole demeure en nous. Il faut que lui et nous formions sur le corps. Il soit en nous et que nous soyons en lui. Et que sa parole demeure en nous. Alors seulement, frère, nous n'allons pas demander n'importe quoi. Tout ce que nous allons demander sera inspiré de lui. Alors, à partir de ce moment-là, frère, on a la certitude que ce qu'on demande là, on l'a déjà reçu. Tout. La première grosse chose que Dieu a promis, qu'est-ce que le Seigneur a dit dans 1 Jean, il a dit quoi? Dans 1 Jean, je crois 1 Jean 2. Je n'ai pas regardé le passage, mais je peux regarder ça avec vous. Qu'est-ce qu'il nous a promis? Et tout ce que Dieu nous a promis, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus grand que la vie éternelle? La vie qui n'a ni commencement, ni fin. C'est la vie de Dieu lui-même. Sinon, on a la vie de Dieu en nous, on est Dieu. Tout à l'heure, je lisais dans Psaume 86, où il dit, mais on disait qu'ils sont des dieux. Et il a répété dans Jean 10, 34, il dit, ceux à qui la parole venait, on l'appelle des dieux. Si la parole vient en nous, et non pas seulement elle vient en nous, mais elle demeure en nous. Lui, il est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on peut nous appeler Fils de Dieu, frère. On peut nous appeler Fils de Dieu aussi longtemps que la parole de Dieu demeure en nous. Nous sommes des fils de Dieu. Parce que la vie de Dieu est pleinement dans ses fils. Un fils, ce n'est pas le sang de son Père qui coule en lui. Le même sang qui est dans son Père, le même sang qui est en lui. Et si Dieu est la parole, et que la parole en nous, nous sommes ses fils. Et ça, c'est important, frère. Et c'est pour ça que, ici, il est dit, il faut que la parole de Christ demeure d'abord, demeure en nous, dans toute sa richesse. S'il demeure en nous dans toute sa richesse, tout le monde verra qui vous êtes, qui je suis, qui nous sommes. Après, on va regarder un peu les promesses, les richesses, là, les grands trésors qui sont là.
On va les passer un peu, on va les citer comme ça pour terminer. Mais je veux que le principe soit bien connu, le principe de base soit bien compris. Le principe de base là, frère, soit bien compris. Pour que tu aies pas à toute la richesse, il faut que le contenu, celui qui contient de la richesse là, que tu l'aies toi-même. Avant, j'ai dit à quelqu'un, vous savez frère, aussi longtemps que vous n'avez jamais rentré dans chez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il possède. C'est faux? Si quelqu'un n'est pas parti chez quelqu'un, il ne peut pas savoir qui il est, qu'est-ce qu'il possède. Donc, si vous n'êtes pas en Christ, vous ne pouvez pas savoir que ce que Christ possède. Il faut que vous soyez en lui pour savoir qu'est-ce qu'il y a en lui. Amen. Soyez en Christ. Alors, vous verrez ce que Christ a. Quel trésor il réserve pour vous. Tout à l'heure, on a chanté le dernier cantique. Où est ton trésor? Laisse ça ton cœur. Moi, ce matin, je ne sais pas, quand j'étais en train de méditer, je me suis souvenu d'un message que Bernard Péché, il appelait ça les investissements. J'allais prendre ça pour lire. J'ai passé mon temps, j'ai tout lu. Alors, c'est le jeune homme riche qui est venu lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? Il dit, bien sûr, tu ne connais pas les lois. Ce que Moïse a dit, il dit, mais j'ai tout observé depuis ma jeunesse. Il dit, va, vends tout ce que tu as, ce que tu pouvais vendre tout. Donne d'ici aux pauvres, viens et suis-moi. Et il est parti triste. Et vraiment, on a continué en disant, oui, à cause de la richesse qu'il a là, il n'a pas voulu investir dans la vie éternelle. Il a toujours voulu investir dans ce qui est naturel. Oubliant qu'un jour, il va laisser ce qui est naturel dans lequel il a investi. Et qu'un bon entrepreneur ne peut pas investir dans le risque, dans ce qui est risqué. Il investit là où toujours il peut gagner de l'argent. Un bel homme d'affaires, c'est comme ça qu'il réagit. Il ne joue pas à la loterie. Et c'est vrai. Et il a continué en disant, vous voyez, quand le moment de la mort arrivait, il est devenu tellement riche, au point le pauvre Lazare pouvait même se passer devant sa porte. Il ne veut même pas lui donner à manger. Et c'est les miettes là, c'est les miettes là qui tombent là, que les chiens cherchent à manger. C'est ça aussi qu'ils mangent. Un jour, les deux ont quitté la terre. Le pauvre en esprit, Lazare, aussi est parti. Et le riche aussi est parti. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a enseveli le riche, non? Mais qu'est-ce qu'on a dit du pauvre? Comment? On l'a... Non. C'est pas ce qui a été dit. Quand il est mort, les anges l'ont emporté. L'autre, il a été enseveli. Et dans son lieu de tourment, il lève la tête et il voit Lazare dans le sein d'Abraham. Alors, il va demander à Abraham, là où il n'a pas investi, il n'a pas investi pour là-bas, hein? Là où il n'a pas investi, là, il demande qu'on lui envoie le produit de l'investissement que les autres ont fait. Alors il demande à Abraham d'autoriser à Lazare de tremper son doigt dans l'eau et de venir mettre une goutte seulement sur sa lampe parce qu'ici, là, il est dans un tourment terrible. Abraham de lui dire, chez toi, comme chez nous, il y a un abîme qui nous sépare. Même si quelqu'un veut passer de chez vous à chez nous, ou de chez nous à chez vous, il lui est impossible de passer là. Quelle que soit sa bonne volonté, il n'est pas possible. La barrière existe. Il dit, bon, c'est comme ça. Va dire à mes frères de ne pas investir dans ce que j'ai investi. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Va dire à mes frères, laisse-lui aller dire à mes frères là, de ne pas venir là où je suis là. Il n'a qu'à changer d'attitude. Il dit, même quand un mort ressusciterait, et que ça n'est là, il va beau parler, ils ne vont pas croire. Il dit non. Si un mort dit non, non. S'ils veulent là, ils ont Moïse, ils ont le prophète avec eux. Bien-aimés frères, aujourd'hui, c'est le temps pour chacun de nous de savoir où il met ses pieds. Qu'est-ce qui est préoccupant? Qu'est-ce qui est important pour lui? C'est ça qui est la question maintenant. On a pris le baptême d'eau un jour. C'est bon.
L'homme n'a marché pas des années, c'est bon. Mais arrêtons-nous, faisons l'inventaire. Où on a placé nos biens? Avec qui avons-nous marché jusqu'à maintenant? Je ne parle pas des frères et des sœurs. Hein. Moi, ce n'est pas ça que je regarde. Avec qui vous avez marché? Si vous avez marché avec Christ, votre marche sera très sûre. Et le résultat sera probant. Et les hommes verront que vous êtes un chrétien. Parce qu'être un chrétien, c'est quoi? C'est être comme Christ. Un disciple de Christ, il est comme Christ. Sa vie est comme celle de Christ. C'est pour ça que, frère, quand on regarde, moi, ma prière, quand j'ai pris maintenant pour vous, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que quand on a planté maïs, après on récolte le maïs. Parce que nous soyons exactement comme ce qui a été planté à la Pentecôte. Moi, c'est ce que je demande au Seigneur. Rien d'autre. Parce que nous sommes exactement la même chose qui a été plantée à la Pentecôte. La même vie, la même nature, le même comportement, la même manière de parler, la même manière de vivre. Si le même, le premier baptême, le dernier baptême doit être identique au premier baptême, si la dernière prédication doit être identique à la première prédication, les hommes qui sont de la fin des temps doivent être identiques à ceux de la première saison. On ne peut pas être différent. Si les premiers étaient un qui a une âme, nous devons être un qui a une âme. Mais ça n'est possible que si la vie de Dieu en nous. Si la vie de Dieu n'est pas en nous, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps, frère. Si la vie de Dieu n'est pas en nous là, même notre communion sera vaine. Nos prières seront vaines. On n'aura rien. Et ça, c'est malheureux, frère, d'avoir reçu un si beau message qui a un objectif bien précis. C'est pour préparer la seconde venue du Seigneur. On va avoir ça et puis ne pas avoir part à la seconde venue du Seigneur. C'est dangereux. C'est grave. On a tout perdu. J'ai lié quelques éléments un peu seulement comme ça avec vous. Dans ça, il y a deux passages que j'ai lu juste à deux ou trois. Juste. Pas pour prendre beaucoup de temps. Tu veux bouger? Vas-y. On ne doit pas partir. Hein. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Ça nous manque aujourd'hui. On manque tellement de sagesse qu'on ne sait pas se parler les uns aux autres. La Bible dit clairement que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à ceux qui la donnent, sans reproche. Frère, vous avez, tout est mis à notre disposition. Tout. Si quelqu'un manque de sagesse là, il peut la demander tout simplement au Seigneur, qui donne sans reproche. Salomon a demandé de la sagesse, cela lui a été accordé, non? Quand le Seigneur lui a demandé, il dit, moi je ne demande rien d'autre. Demande la sagesse, mais pour conduire ton peuple. Il a oublié qu'il doit se conduire lui-même d'abord. Mais pour conduire ton peuple. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas demandé la mort de ton prochain, de tes adversaires, tes ennemis, je te donne la sagesse, mais te donne aussi la richesse. Mais Abraham, il a dit à son papa David, il a dit, je ne lui retire pas ma grâce. Il dit, je sais pour lui un père, il sait pour moi un fils, je ne lui retire pas ma grâce. Dieu savait le chemin par lequel il passait. Quel est celui qui a introduit beaucoup d'adoration dans son royaume à cause des femmes? Ce n'est pas lui. Lisez bien Salomon. Salomon a autorisé beaucoup de ces femmes-là avec leur Dieu, parce que la plupart des femmes ne sont pas des juifs. Pour nous garde cette attention. On va, ce soir, on va lire un peu les grandes richesses qui sont là. On va entrer dedans. Mais regardons bien. Alors, lisez Ephésiens 5. Il y a quelque chose que j'ai failli ôter et oublier. Lisez Ephésiens 5, 19. Il y a quelque chose de don que j'avais noté. Je voulais qu'on partage ensemble. Ephésiens 5, 19.
Et c'est exactement là où on est. Il dit ici, dans Thessaloniques, il dit bien ceci. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et ici, également, il nous dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Frère, comment tu peux louer Dieu de tout ton cœur si ton cœur est impur? Dieu ne va jamais rien accepter. Si ton cœur est impur, Dieu n'accepte pas des choses qui sortent d'un cœur impur. C'est pour ça que dans Ézéchiel 26 dit, notre 36 dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, il dit, je vais vous donner un nouveau cœur. Parce que nos cœurs sont méchants, nos cœurs sont mauvais. Et rien de bon ne peut sortir de ce cœur mauvais. Il faut que ce cœur soit changé d'abord. Tous ces cœurs-là, frères, examinons nos cœurs. Hier, j'ai fait chanter ce cantique-là, veille au matin. C'est ça, non? Et on a chanté le couplet où l'ennemi cherche à se glisser, là où le Seigneur va régner là. L'ennemi cherche à se glisser là. Prenons garde. Ne prenez pas ça comme quelque chose qu'on doit chanter comme ça. C'est pour nous dire de veiller. Veille sur toi. Veille sur ta marche. Veille sur tes relations. Veille. Prends garde. Et c'est important, frère, et c'est aujourd'hui, de savoir que nous devons pouvoir. Frère, quand nous nous retrouvons ensemble, de quoi en parlons-nous? En tant que croyants. Pas comme dans les siens. Si je vais voir ma soeur ou ma fille zélée chez elle, de quoi je vais parler avec elle? Si je vais chez ma soeur Lucie, de quoi je parlerai avec elle? Si on ne peut pas parler des choses de Dieu, ce n'est pas la peine. Si on se retrouve là, les choses les plus importantes, c'est comment notre vie évolue-t-elle devant le Seigneur. Alors, on peut s'exhorter, chantant des... Même tout à l'heure, on dit, veille au matin, c'est une exhortation. Hein? C'est pas vrai. C'est une exhortation. Celui qui a composé dit, il faut veiller. Veille le matin, veille à midi, veille le soir. Veille quand il se fait le silence sur la terre. Quand il y a beaucoup de bruit aussi, veille. Parce que tu ne veilles pas là. Alors il y a beaucoup de bruit là, tu seras distrait. Et quand tu penses que tout est paisible, ne crois pas à ça. Veille. Le temps peut changer. Chez nous ici, on ne voit pas trop le changement brutal de temps. Mais allez-y dans les pays occidentaux. Il peut être en été, on dit, bon, il fait beau temps, puis tu sors là, tu portes une chemise simple, et puis voilà, brum, tout change. Et il fait froid comme il n'est pas permis. Tu ne t'es pas protégé. Tu vas tomber malade. Donc, veillons. Et encore, frère, dans la foi, c'est plus grave. Si on ne veille pas, le temps peut changer. Quelque chose de séduisant peut nous emporter tout de suite. Ou bon, on se rend compte, c'est déjà trop tard. Donc, veillons. Laissons nos cœurs entre les mains du Seigneur. Et c'est pour ça qu'il dit ici, de même que dans Éphésiens 5, 19, il dit, entretenez-vous. Entretenez-vous. Et parlez l'un à l'autre, les uns aux autres. Par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Par des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Entretenez-vous. Et chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et chanter et célébrer de tout votre cœur les louanges, louer Dieu de tout votre cœur. Si vous vous retrouvez là, n'oubliez pas de faire ça. Croyants, croyantes, ici, entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Il y a beaucoup de cantiques qui ne sont pas spirituels. Et l'apôtre Paul a raison d'ajouter le mot spirituel. Hier, on venait, il y a un chant qui se jouait alors. Ça, c'est un cantique. Elle dit, ça ressemble bien.
au chant des vieux français. Je dis bien oui, mais il faut regarder bien les thèmes sont employés. Et tu verras la fin. Dans le cœur de l'homme, c'est un gros puits. Et si tu cherches, tu vas trouver la réponse. Parce que notre cœur cherche Dieu. Le vrai cœur d'un homme cherche Dieu. L'homme aime adorer. Si tu ne fais pas attention, tu as donné n'importe quoi. Toi, tu laisses entrer là n'importe quoi. Il faut veiller. Et quand tu as tout le vrai, Christ est notre époux. Vous parlez comme ça. Ce matin, je lisais, dans ça, je lisais une chose. Attends, je vais vous le lire. Que vous voyez, Père, je ne sais même pas où je l'ai noté. J'ai lu quelque chose dedans. Moi, quand je lis, je note, voilà. J'ai lu quelque chose, je dis, avec sa présence divine, comme c'était le cas lorsqu'il était sur la terre, Dieu était dans une personne. Dieu est maintenant dans son Église. Sa vie est partagée dans son peuple. Dieu vit parmi eux, essayant de les unir dans le corps mystique de Christ, lequel est appelé son épouse. Amen. Amen. Le corps mystique là, dans lequel Dieu veut nous réunir là, c'est dans ce corps. Quand nous rentrons dans ce corps là, nous sommes partie de son épouse. C'est ce corps mystique qui s'appelle l'épouse de Christ. C'est rien d'autre. Et s'il y a quelqu'un qui a parlé de l'épouse de l'époux, c'est bien frère Branham. Celui qui veut savoir, c'est les investissements. C'était prêché, je vais vous donner la date, c'était prêché le 24 novembre 62, après les actes de l'Église, avant les sceaux. 24 novembre 1962. Oui, avec sa présence divine, comme c'était le cas lorsqu'il était sur la terre. Dieu était dans une personne. En qui? En Christ, son Fils, bien-aimé. Dieu est maintenant dans son Église. Sa vie est partagée dans son peuple. Frère, es-tu peuple de Dieu? Tu dois avoir part à la vie de Dieu. Il a déversé sa vie dans son Église. Et cette vie est partagée parmi ceux qui doivent faire partie du corps de Christ là. Chacun doit faire partie, avoir cette vie en lui. Ça devient clair pour chacun de nous? Chacun de nous doit avoir part à cette vie là. Dieu vit parmi eux, essayant de les unir dans le corps mystique de Christ. C'est ce que le Seigneur essaie de faire. Aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui est important, c'est que nous sommes unis dans le corps de Christ. Tout à l'heure, on a lu dans 1 Corinthiens 12:12-27 que nous faisons partie du corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Ce corps mystique-là, nous sommes dedans pour former son épouse. C'est ce corps. Mais il faut que ce soit dedans. Et c'est très important pour chacun de nous de savoir que le temps est venu. Et entretenons-nous. Entretenons-nous. Instruisons-nous. Encourageons-nous. Exhortons-nous. Chantons des cantiques spirituels. Oublions tout ce qui n'est pas spirituel. Éloignons dans nos maisons ce qui n'est pas spirituel. Que Dieu nous bénisse. Dans 4 minutes, 17 heures. Alors, je vais lire avec vous quelques passages. J'ai noté beaucoup de passages pour parler un peu de cette richesse dont nous parlons tout à l'heure. Vous avez terminé pour qu'on revienne un peu. Et quoi que vous fassiez, verset 17 d'abord, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Si on n'est pas frère, tu ne peux rien faire au nom de Jésus si tu n'es pas avec en lui. Ce n'est pas possible. Un voleur ne peut pas faire quelque chose au nom de Jésus. Un menteur ne peut pas faire quelque chose au nom de Jésus. C'est faux. Un païen ne peut rien faire au nom de Jésus. C'est seulement ceux qui sont en lui qui peuvent le faire. Pourquoi dans les religions aujourd'hui, il y a toutes sortes de vies?
Les pastoresses vivent dans l'adultère, dans la débauche. Les pasteurs vivent dans l'adultère, dans la débauche. Au milieu de nous, on vit dans l'adultère, dans la débauche. Pourtant, on nous dit de ne pas être débauché. Et on vit. On nous a appris comment il faut vivre. On nous l'a prêché à loin à l'âge. Il y a beaucoup de prédications qui existent, les circulaires qui existent à tout. Pourquoi on ne peut pas vivre ça? Parce qu'au début, notre conversion n'était pas vraie. Notre conversion n'est pas vraie. C'est pour ça qu'au milieu, on se rend compte, les gens se rendent compte qu'on ne peut pas observer ce qui nous a été prêché. Parce que le Seigneur a dit, faites d'abord deux des disciples et ensuite enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. C'est pas ça? Maintenant, si au début, là, la conversion n'est pas vraie, quand on va t'enseigner à pratiquer ce qui est prescrit, tu ne seras pas capable. Parce que la vie qui permet de vivre ça n'est pas en toi. Un enfant qui n'est pas né, on peut lui apprendre à manger. Ça me jette dans la vie chrétienne. Quand tu n'es pas né dans la maison de Dieu, tu ne peux pas observer les choses de la maison de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu peux prétendre, mais le reste de ta vie montrera qui tu es, frère. Ta nature va transparaître. Je vous ai toujours dit quand quelqu'un est sous qui veut marcher comme les gens qui sont. Mettez un pneu devant lui, laissez un trou devant lui, il y avait un caniveau là, amenez là-bas. Il va voir deux fois le caniveau et puis va tomber dans le vrai caniveau. Alors, quand tu as dit, mais tu es sous, tu t'as dit, la ligne n'est pas sous, non, mais la première fois, tu es tombé dans le caniveau. Pourquoi moi, il ne va pas tomber dans le caniveau. Toi, tu es tombé dedans, tu es sous. Frère, que Dieu nous aide. C'est le temps, c'est dur, c'est vrai. Mais je préfère taper dur pour nous tous, pour que demain, personne ne puisse dire non, on n'a pas été instruit. Non, on ne nous a rien dit. Moi, je ne veux pas être coupable de quelqu'un. Je ne veux pas être coupable. Le Seigneur a dit, sentinelle, si tu vois le danger venir et que tu n'informes pas et que la personne meurt, il va mourir pour son péché. Mais toi, on va te demander son sang. Parce que tu as refusé de l'avertir. Comme tu ne l'as pas averti et que la personne est morte, c'est vrai, elle est morte pour son péché. Mais toi, tu vas répondre son sang. Et c'est ça qui manque à beaucoup de prédicateurs. On est accroché au matériel. Mon frère, on avait un entretien avec un rabbin qui il dit, je ne crois pas qu'un esprit peut avoir un fils. Il dit, mais tu crois au prophète? Oui, il dit quoi au prophète? Et il le lui a démontré jusqu'à la fin. Il dit, on va en parler la prochaine fois. Il dit, non, on en parle maintenant. Qu'elle est sortie, qu'elle devait sortir, c'est autre pour un frère. Il dit, mais il faut qu'on en parle. Il dit, tu vois, si je suis ce que tu me demandes de faire là, je vais tout perdre. Je vais perdre ma position. Je vais perdre les fonds auxquels j'ai accès. Les choses, les biens auxquels j'ai accès. Je ne veux plus accès. Je vais devenir paria dans la rue. Je fais ça de mes fils fixes. Frère l'a dit, je préfère moi boire de l'eau plate, manger un pain sec et prêcher la vérité que de chercher le beurre, la viande, tout ça. Et puis sachant que je renonce à la vérité. Je renonce à la vie éternelle. Donc tu sais maintenant, tu sais que tout ce que tu as fait, c'est faux. Avant, peut-être tu étais ignorant, mais maintenant, là, tu le sais. Frère, voilà la situation où on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est conscient qu'on est faux ou on n'est pas conscient qu'on est faux? On est conscient qu'on poursuit de l'argent ou on n'est pas conscient qu'on poursuit de l'argent? On est conscient que nous, là, c'est les femmes qui nous intéressent ou on n'est pas conscient? C'est la boisson qui nous intéresse ou on n'est pas conscient? Que Dieu aide chacun de nous. Venons, revenons aux promesses. On va regarder un peu.
La richesse qui est dans la parole de Dieu. On a déjà dit que celui qui a le Seigneur, toute la richesse qui est dans la parole lui appartient parce que la parole même est le Seigneur lui-même. N'est-ce pas? Parce que quand on lit dans Jean, permettez-moi de revenir dans Jean chapitre 1 là. Pour que les gens disent qu'il y a une partie qui est restée, on n'a pas tout donné. On a lu le premier verset, comme j'avais dit, on n'a pas lu les autres versets, on va les lire en même temps, avant de poursuivre. J'ai réservé beaucoup de... Parce qu'on va les lire quand même maintenant, avant d'arriver ici. Alors, au verset 6, j'ai dit qu'on lisait le verset 6 également, le verset 3 et 4. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je continue dans le verset 6 en même temps. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Maintenant, le verset 14 nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Amen. Donc, quand on, ici, on nous dit que la parole de Christ doit demeurer en nous dans toute sa richesse, la parole de Dieu, la parole de Christ, il est identique. Et c'est important. Si on n'a pas ça, on perd. Maintenant, dans les trésors, dans les choses, regardons bien. Romains 10. On va aller très vite maintenant. Dans Romains 10. Je lis le verset 10 au verset 13. On va lire le verset 10 au verset 13. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous ne pouvez jamais être confus si vous croyez en lui. Parce que lui prend votre défense. C'est une grosse... Quand les gens paient des avocats, alors que vous, votre avocat c'est lui. Quand les gens vont à l'hôpital, alors que vous, votre médecin, c'est lui. Regardez bien. Il va dépasser peut-être 10, 20, 30 millions pour se soigner. Alors que vous, quand vous avez fini de prier là, Dieu vous a guéri. Comme la fois dernière, quelqu'un me disait que il y a un frère qui est fâché avec moi parce qu'il paraîtrait qu'il m'avait appelé toute une nuit. Son enfant faisait une crise de drépanocytose que moi, il n'ai pas décroché. Et depuis ce jour-là, il est fâché avec moi. Peut-être qu'il ne sait même pas s'il a appelé ou n'a pas appelé. Avec tous les points de réseau, je suis devenu un ennemi sans le vouloir. Alors que mon téléphone n'est jamais fermé, ni la nuit. Mon téléphone est toujours ouvert. À cause de ce qu'on peut m'appeler pour prier. Donc, je ne fais pas mon téléphone. Je n'ai pas là ce soir. La femme de... Comment elle s'appelle Anissé. Je ne sais pas quel il a appelé ce jour-là. Ils ont appelé. Ça n'allait pas la nuit, là. On m'a appelé à très tardivement. Je me suis levé pour prier.
Vous comprenez qu'il y a des situations dans lesquelles nous allons, on est. Peut-être quelqu'un vient avec quelque chose contre moi avant. Maintenant, ça a été le moyen pour lui de dire, mais que moi, j'ai laissé souffrir la nuit. Et il est resté seul à genoux avec sa femme jusqu'à la fin. A été relevé. Mais c'est une grâce. Tu as expérimenté la grâce de Dieu. Est-ce que ça peut susciter des problèmes à quelqu'un d'autre? Non. Bon. Que Dieu seul intervienne et qu'il nous aide. Donc, je continue ma lecture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puis ils ont tous le même Seigneur et qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Si vous invoquez le Seigneur là, notre Dieu, il est riche pour toi. Invoque-le. Ne compte pas sur les autres pour invoquer. On est devenu maintenant, excusez-moi le terme, on veut seulement qu'il y a des églises où les gens ils n'ont plus de foi. C'est les pasteurs qui ont la foi. C'est les pasteurs qui ont la foi. Et quand il y a un problème là, il faut aller chez le pasteur là, c'est lui qui va prier. Mais toi, quelle est ta foi? Il est aussi riche pour toi-même. Il est aussi pour toi. Reste à genoux. Nous, on a expérimenté ça avec Sydney, sur la petite de Sydney. Crise de chaudasme, une nuit. La fille se mourait. Ma femme me dit, mais on a qu'à l'amener à l'hôpital. Dans quel hôpital? Il dit, mais on a qu'à l'amener à côté. Le temps de quitter ici, là, il peut mourir. Qu'est-ce que tu peux faire? On n'a qu'à prier. Pour que tous les enfants à la maison expérimentent que Dieu est guéri. Devant eux tous, parce qu'ils savent que Dieu est guéri. Mais c'est là qu'à un moment donné, elle a dit, elle a sommeillé. On a mis la couverture sur elle. Elle s'est endormie jusqu'au matin. Dieu l'a sauvée. Mais si on voulait à tout prix aller à l'hôpital, et le temps de quitter ici, et la crise, même mettre la voiture là, en route là, comme vous ne priez pas. Bon, vous comptez sur l'hôpital ici. Avant d'arriver là-bas, la mort est survenue. Les médecins ne peuvent pas réveiller quelqu'un. L'hôpital n'a jamais ressuscité quelqu'un. Non. L'hôpital n'a jamais ressuscité. Je n'ai jamais vu un hôpital qui a ressuscité quelqu'un. Il y a des cas où la personne fait une crise cardiaque, on vient faire tout ce qu'il faut pour que son cœur ne reprend pas. Mais si on trouve un intercesseur, un qui se tient devant la présence de Dieu, un seul, pas deux, pas trois, un seul intercesseur, qui est un homme qui est consacré, se tient dans la présence de Dieu, le mort là va revenir à la vie. Parce que sa voix va être entendue là-haut et Dieu fera grâce. Donc, vous voyez ici, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puis, ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour nous tous qui l'invoquons. Le Seigneur est riche. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà le problème. Le problème se trouve là. Il y en a qui n'arrivent pas à invoquer Dieu, parce que eux-mêmes leur foi est faible. Pourquoi avoir recours à quelqu'un d'autre? Supposons, maintenant, avant il n'y avait pas, comment on appelle ça, le cellulaire, on faisait quoi? Nous on a vécu sans cellulaire avant. Il n'y avait pas de cellulaire. Maintenant il y a le cellulaire. Même quelqu'un là, dans la forêt quelque part là-bas, on va le chercher. Il y a des zones où il n'y a pas de réseau, hein. Même aujourd'hui, quand tu es en ville même, quelqu'un à côté de toi, tu l'appelles même. Chez toi, ça sonne, chez lui, ça ne sonne pas. Et ça fait pas là. Je t'ai appelé jusqu'à dire, bon, voilà mon téléphone. Je n'ai pas reçu un seul appel en absence. Mais ça sonnait, oui. Ça sonnait, mais chez moi, là, il n'y a pas un appel en absence. Voilà le problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'appel en absence. Tu dis, tu as appelé. Mais voilà mon téléphone, il n'y a pas d'appel en absence. On me fait quoi? On me fait faire. Mais il y a un chez qui le réseau n'est jamais perdu. Celui-là, le réseau ne se perd jamais. Le réseau ne se perd que pour ceux qui n'ont pas la foi.
n'y a même pas de raison. Ça va être perdu. Il n'y a pas de raison pour eux. Ils n'ont pas de foi. Si tu n'as pas de foi, le réseau, il n'y a pas de raison pour toi. Mais si tu as la foi là, même si le réseau est coupé, il va se rétablir. Il y a un seul. Attends, il y a des moments où le réseau se coupe. Hein. Si tu as commis un péché, le réseau ne va pas s'établir jusqu'à ce que tu raccordes toi-même la ligne. C'est toi qui dois raccorder la ligne. Quand tu as raccordé la ligne, tu dis, Seigneur, j'ai raccordé la ligne maintenant. Il dit, bon, maintenant tu peux appeler, je suis là. Amen. Oui. Tellement le péché, ça se coupe. Mais c'est toi qui as coupé. Maintenant, comment tu as fait pour couper pour raccorder? Quand tu as raccordé, tu dis, j'ai raccordé. Pardonne-moi, j'ai fini de raccorder. Il dit, bon, faut appeler. Justement, je suis toujours disponible. Il ne dit jamais qu'il est surchargé. Alléluia. C'est beau, hein? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia! Frère, vos pieds sont beaux si partout vous arrivez à annoncer la paix. Ce qui manque aux gens, c'est la paix. Les gens sont très troublés dans le monde. Ils cherchent comment trouver la paix. Et c'est nous, les croyants, seuls qui pouvons apporter la paix là où la paix n'existe pas. Il y a le monde entier. Le monde entier est troublé. Il n'y a que des problèmes de guerre, des mésententes. Les foyers sont disloqués. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas de paix. Mais si nous également, qui sommes censés posséder de la paix et communiquer de la paix, nous ne sommes pas capables d'avoir la paix et la communiquer, mais tout est perdu. Tout est perdu, frère. Soyons de ceux qui apportent la paix. C'est important. Je le répète toujours. Quand vous allez quelque part, quelles que soient les circonstances, vous devez apporter la paix. C'est pourquoi vous devez être fils de paix, fils de paix, fils de paix, fils de paix. Quand vous avez la paix en vous, quand vous arrivez quelque part, il y a des troubles, quand vous élevez la voix vers votre Dieu, il sait ce que vous demandez. Soyons des enfants de paix. Communiquons la paix. Apportons la paix à ceux qui sont troublés. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi. Comme l'est écrit Esaïe aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Voilà le problème. Aujourd'hui, qui croit à ce qui est prêché? À peine on voit ta tête que on ne veut même pas t'écouter. Pourtant, on ne sait même pas qui tu es. Que Dieu vous aide. On a rien au temps où Seigneur, frère, bien-aimé frère, faites attention. Soyons persévérants. Pour que quand il y a une situation, Dieu nous parle. Personnellement. Personnellement. Moi, il y a une situation qui m'a toujours étonné. C'est la situation d'Aaron. Quand le Seigneur a parlé à Moïse dans le désert et qu'il a discuté avec Moïse, au moment où il finit là, il dit à Moïse, voilà ton frère Aaron qui arrive. Quelqu'un qui est esclave, qu'on a peu de fatigue là-bas là. Comment il a pu s'échapper et savoir que son frère Moïse est à ce lieu précis. Et à l'heure même là, où Dieu a besoin de lui, c'est là qu'il est là. Dieu lui dit, voilà ton frère Moïse qui arrive. Tu vas lui servir, tu vois, tu seras Dieu pour lui et lui seras ton prophète. Tu vas mettre ta parole dans sa bouche et lui va l'annoncer. Quand je regarde, je me dis, notre Dieu là, il est bon. C'est un Dieu puissant. Il arrange tout avant de commencer. Mais il arrange tout. Hein. Il n'a pas besoin que nous on arrange. Il arrange toute la situation. Il arrange tout. Il met de l'ordre partout avant de commencer. Quand il commence une chose, il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Non, ne vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas. Quand il y a une chose là, sachez que Dieu a déjà tout arrangé. Quelle que soit la situation, c'est compliqué, c'est pas compliqué. Observez seulement. Dieu a déjà tout arrangé.
Donc, on va lire également, lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, et le verset 27. On a déjà lu quelque part, je crois ça. Oui, on a déjà lu ça, oui, on a déjà lu. On va lire 1 Corinthiens 1, 5, 7. Lisons 1 Corinthiens 1, 5, 7. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 5 et le verset 7. On va lire le 2 également. 1 Corinthiens 1, verset 5. Voilà ce que l'apôtre Paul enseignait aux Corinthiens. Il dit, car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Amen. En Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Bien-aimés, est-ce que c'est le cas pour nous? Au verset, c'est dit, de sorte que, qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait qu'il en soit ainsi aujourd'hui pour chacun de nous. Toutes les richesses de la parole doivent être avec nous. Et même en termes de dons, nous ne devons rien manquer. Oui, c'est une promesse que Dieu a fait. Maintenant, si nous voulons rester stériles, c'est nous qui allons rester stériles. Maintenant, si nous voulons être des arbres fruitiers qui portent des fruits que tout le monde voit, laissons le Seigneur le faire simplement. Ne courons pas après, mais vivons de manière à ce que lui-même il soit obligé de le faire. Parce que quand on remplit toutes les conditions, il le fait. On en parlait quand on parlait de Marc 16. Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 2, le verset 3, verset 5. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un temps de faiblesse, de crainte, de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Frère, cela doit être une réalité pour chacun de vous, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. De sorte que tout ce dont nous avons besoin, nous puissions l'obtenir selon sa volonté. On a lu dans Jean, il a dit, si vous demeurez à moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous fait voir ici. Si nous demeurons en lui, alors la puissance de Dieu qui est en nous manifestera Dieu. C'est parce que la puissance de Dieu habite en Paul que cette puissance se manifeste, pour que les gens voient, pour que ceux qui voient là, ils se rendent compte que ce n'est pas parce qu'il a parlé seulement. Ce qu'il a dit là, Dieu confirme. Dieu fait. Pour nous, ça sonne pas. Parce qu'il y a beaucoup de discoureurs. Hein. Dans la journée d'aujourd'hui, si on partait dans l'Abidjan, on allait voir qu'il y a beaucoup de besoins là qu'on apprécie la voix de Dieu. Même là, actuellement, nous sommes là, peut-être il y en a qui continuent de tenir aussi des cultes comme nous. C'est pas vrai? Donc, chacun prêche. Mais Dieu avec qui? Quelle parole Dieu donne lui-même? Parce que quand Dieu donne sa parole, il la confirme. C'est comme le jour où on était à l'église d'hier. Là où il y a la vie, la mort ne peut pas exister. Ça ne peut pas être vrai. Et il pouvait dire, alors, la veuve de Strepta pouvait dire à Élie, maintenant, je sais que la parole de ta bouche est la vérité. Pourquoi? Avant, Élie a parlé. Elle a mangé pendant tout le temps de la sécheresse. N'est-ce pas? Le pot de farine, la farine n'a pas fini. L'huile n'a pas tari. Chaque matin qu'elle se lève, il y a de la farine, suffisamment de farine pour elle, pour son fils et pour Élie. Le soir qu'elle va, il y a suffisamment de farine pour elle, pour son fils et pour Élie. Donc chaque jour, il y en avait. Mais ça là, je veux dire une chose, un sacré. Même peut-être un petit magicien pouvait peut-être faire la démonstration. Mais quand il s'agit de la mort,
Aucun magicien ne peut faire quoi que ce soit. Et quand son fils est mort, si on appelait tous les magiciens, tous les satrapes, personne ne pouvait ramener la vie. Mais Élie a prié pour l'enfant et l'enfant est revenu dans la vie. Alors il a dit, je sais maintenant. Avant, j'ai vu, hein, mais maintenant, là, je sais, ce n'est pas toi qui parles. Il y a un qui parle. C'est Dieu qui parle. La parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Parce que ça, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Ramener à la vie, là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Ah oui. Personne. Je ne sais pas si dans le ministère de Moïse, même, il a rejeté un mot même. Moi, il n'est pas encore lu, est-ce que quelqu'un n'a qu'à me donner. Pourtant, c'est un grand homme qui a fait beaucoup de miracles. Est-ce que c'est faux? L'eau changée en sang, les grenouilles, les mouches, tous les sortes de miracles, il a fait. Mais de son ministère, je ne sais pas si il y a eu un mot que Moïse a ramené à la vie. Non. Donc, où est chacun? Jésus est un grand serviteur de Dieu. Il n'a pas ramené un mort à la vie. Non. Mais Élie, il a ramené un mort à la vie. Élisée a ramené un mort à la vie. Et même ses os ont ramené maintenant un mort à la vie. Oui. Daniel, le grand prophète, est-ce qu'il y a eu un mort qui est venu à la vie? Non. À chacun, Dieu sait ce qu'il a fait. Pour bien situer les choses. Et c'est tellement important, frère. Très important. Que Dieu nous aide. On peut continuer de lire un peu. On va continuer. Jean 17. Jean 17. De toute façon, si vous donnez les versets, après vous ne les lisez pas. On va les lire. Jean 17, verset 20 au verset 26. C'est des choses que vous connaissez. Je vais seulement les lire pour nous, pour voir que, oui, là, il y a beaucoup de richesses pour nous, frères et sœurs. Si vous les lisiez, on se serait seulement arrêté, parce que vous les avez lus à la maison tranquillement. Maintenant, regardons, on va regarder une autre chose avant qu'on le lise. Regarde Noé. C'est une grande richesse. Au temps de Noé, là, les gens avaient tout. Et puis, Dieu a décidé de détruire la terre. Et Dieu a décidé d'épargner Noé. Frère, je ne sais pas si vous voyez bien. Sa vie, la vie de sa femme, de ses trois fils et de leurs trois femmes, allait disparaître. Qu'est-ce que c'est si précieuse que la vie? Il n'y a rien de plus précieux que la vie. Hein. Vive là, il n'y a rien. Frère, si tu ne vis pas, tu ne peux rien faire. Quand le Seigneur te conserve la vie, sache que c'est une grosse richesse. C'est vrai. Rien ne vaut la vie, c'est vrai. Mais la vie là, on est là tout de suite, quelqu'un tombe, on va chercher à le ramener à la vie tout de suite. C'est faux. Parce que c'est important qu'il vive. Et c'est pour ça qu'autant Noé, Dieu n'a pas permis que Noé meure à cause de ce qu'il a fait grâce devant Dieu. Mais tous les incrédules sont morts. Tous les incrédules sont morts. Quand le temps est venu, parce qu'ils sont restés, ils ont dû aller frapper. Moi, Noé ouvre la porte. Noé dit, c'est pas moi qui ai fermé. C'est Noé a un cœur quand même, c'est un homme. Il a l'air sentimental. Il allait aller ouvrir la porte pour que les gens montent. Dieu a laissé la Moïse est rentré, tout le monde est rentré. Dieu a laissé la porte là pendant 7 jours en plus. Il ne me trompe pas. Et puis, à un moment donné, Dieu a fermé. Bouh. La femme de Moïse a dit une banane à Noé. Qui a fermé la porte? Il dit, c'est pas moi. C'est Dieu qui a fermé. Quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Quand Dieu ferme là, frère, évitons de faire des choses pour qu'un jour Dieu ne ferme la porte devant nous.
Évitons de marcher de manière à ce qu'un jour la porte se ferme devant nous. Quand la porte est fermée, les gens peut-être ont pris, il fait trop chaud, il faut sortir de là, là. Et puis à un moment donné, là où ils n'ont pas vu la pluie, là où il n'y a pas de l'eau, il y a des gouttes qui commencent à tomber. Ils ont vu une goutte qui a tombé sur le sol, sur une feuille, pas. Il dit, on a dit, il n'y a pas d'eau en haut là. Non? Mais d'où ça vient? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un deuxième, pas. Après, une troisième, une quatrième. Et maintenant, c'est plus deux mois. Comment ça fait? Du coup, c'est une forte pluie, des orages, et puis la Bible dit, même du sol, l'eau sortait. Ça tombe de là-haut, ça tombe du sol, ça sort du sol. Les meilleurs nageurs ont dû couper. Ceux qui savent bien, ils ont dit quoi, attends, on va prendre le bois de gouffet là. C'est ça, il a pu construire. On va couper les bois de gouffet, on va rester dessus, on va nager. On va flotter avec. Or, lui là, son bois de gouffet là, il a taillé, il a mis du bitume. Le bois, il a bien absorbé le bitume. Mais pour vous là, il est encore frais. Et il est encore lourd. Si vous le laissez, l'eau va rentrer encore dedans, ça sera encore plus pesant. Et donc, l'eau rentre dedans, ça devient pesant. Ils pensent qu'ils allaient flotter, ils se noient. Ils ont dû nager qu'à monter sur... Oh, il ne peut pas monter sur l'arche de Noé, c'est très haut, il ne peut pas monter dessus. Ce soit agrippé, il s'agrippe. Combien de jours, pendant combien de temps t'as agrippé là? Tu ne peux pas. Les gros poissons qui sont dans la mer, tout le monde a fait surface. Ceux qui ont faim ont trouvé de la nourriture en abondance. Les requins, tous les autres qui aiment bien manger la chair fraîche, ils ont trouvé de la viande fraîche. Ils sont tous morts. Quand tout le monde est mort, la pluie s'est arrêtée. Dieu a envoyé un vent pour souffler, pour dégager l'eau. Et puis, sur le mont Arara, comme on le dit, l'âge de Noé s'est arrêté là. La vie de Noé a été épargnée. La vie de sa femme, de ses trois enfants et de leur femme. Toute leur vie a été épargnée. Bien-aimés frères, c'est une grosse richesse hein, que de voir quelqu'un de vivre quand tout le monde meurt autour de lui et que la personne vit. C'est une grosse richesse. Parce que ma belle-mère pouvait dire, elle disait ceci, si tu n'es pas malade, personne ne peut t'avoir. Quand Dieu t'a donné deux bras, deux pieds et que tu as bonne santé, tu peux faire tout ce que tu peux faire quand tu as le poids de le faire. Mais quand tu es malade, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Frère, quand Dieu nous donne la santé, c'est une richesse. Quand il nous donne la vie, c'est une richesse. Beaucoup meurent, mais nous, notre vie, que Dieu nous donne, c'est la richesse. Et on doit la consacrer à lui. Alors, dans Jean 17, verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frère, le Seigneur a prié pour que nous soyons un en eux. Et la prière qu'il a adressée au Père, là, le résultat n'est pas encore fini. Lui, il a prié. Et ça doit se produire à tout moment. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, frère, la prière est toujours valable. C'est toujours valable. Il dit, j'ai prié. Je ne prie pas pour eux seulement, je prie pour ceux qui croiront. Je le relis, je vais le relire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Est-ce ce qui est ça? C'est pas ce que les apôtres ont prêché. Amen. Donc, celui qui vient croire sur la base de ce que les apôtres ont prêché là, il croit, cette prière est valable pour lui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Frère, c'est important aujourd'hui.
que les croyants soient un. C'est important, frère. De sorte que un frère ne peut pas parler mal d'un frère, une soeur ne peut pas parler mal d'une soeur, une soeur ne peut pas parler mal d'un frère, et un frère ne peut pas parler mal d'une soeur. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas être dans, au milieu des croyants. Ce n'est pas possible. Sinon, on ne nous verra pas comme des disciples de Christ. Il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à ce signe que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est un signe. L'amour au milieu des enfants de Dieu est un signe pour les non-croyants pour qu'ils sachent que ceux-là sont des chrétiens, ils sont disciples de Christ. Ça, retenons ça bien, frère. Pour les non-croyants, l'amour qui se manifeste au milieu des croyants leur donne un signe qu'ils appartiennent à Christ. Ils sont ses disciples. Et un disciple est comme son maître. On poursuit. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Afin que le monde connaisse que Dieu nous a aimés comme l'a aimé Christ. Quand nous avons l'amour de Dieu en nous, qu'est-ce qui peut manquer? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. En d'autres termes, le royaume que tu bâtis pour moi là, je ne veux pas être seul là-bas, je vais être ce que tu m'as donné. Après ce nouveau frère, nous devons pouvoir obéir à sa parole pour que nous soyons là où il veut qu'il est. Là où il est, il veut que nous soyons là-bas. C'est ça dans Jean 14, il a dit, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Quand j'aurai fini, moi-même, je vais venir vous chercher. S'il n'y avait pas de place là, je vous l'aurais dit, mais dans la maison de mon père, il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs lieux d'habitation. Alléluia. C'est une promesse, frère. Et dans cette promesse, une promesse, une richesse potentielle. Jusqu'à ce que, quand tu promets un enfant de lui donner de l'argent, il est riche potentiellement. Je vais vous donner un exemple simple. Dites à l'enfant, si tu as ton examen, moi je te donne ça. Mais vous dites, je vais t'acheter ça. Potentiellement, il a ça. Dès qu'il a son examen, il vient, il dit, papa, j'ai mon examen. Et il te dit la promesse là. Mais il faut la concrétiser. Que ça devienne une réalité. Tonton, tanti, t'as dit quand j'aurai mon examen, tu vas me donner ça, non? J'ai mon examen. Hein? Tu ne peux pas reculer. On dit que la promesse est une dette. Une dette est une richesse. Donc, la personne à qui tu as fait la promesse, il t'attend, c'est une richesse que tu lui as donnée. Et Dieu nous donne une richesse ici. Il dit, là, moi je vais vous préparer une place. Je vous promets qu'il y a une place. Ne vous trouvez pas, votre cœur ne se trouve pas. Croyez seulement. Si vous croyez, vous verrez ça s'accomplir. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Que l'amour de Dieu soit en nous et que le Fils de Dieu soit en nous. Donc beaucoup de richesses, c'est des promesses pour nous. Qui sont de grandes richesses que la parole donne simplement. Que la parole habite à nos cœurs dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse, qu'elle demeure dans nos cœurs. Allons dans Ésaïe. Je lis avec vous Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 1, verset 3. Puis on continue. Verset 1, verset 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Mais ce qui est important, regardez bien ces deux passages. Quand vous regardez bien le verset 2, Shadrach, Meshach, Abednego ont expérimenté. Ils ont expérimenté le feu. On les a jetés dans le feu. Le feu ne les a pas brûlés. Ils n'ont pas été embrasés par le feu. C'est vrai. Pour nous dire, frères, que nous avons de grosses promesses, ce sont de grosses richesses pour nous. Leur vie ici a été une richesse. Dieu a préservé leur vie dans le feu. Et leurs détracteurs sont morts. Les méchants sont morts à leur place. Dieu les a protégés parce qu'ils ont honoré Dieu. Ils ont dit, on ne peut pas mélanger notre adoration avec votre adoration. Ce n'est pas possible. Votre adoration, là, nous, on ne peut pas participer à ça. Nous, on a une adoration. Et on adore le vrai Dieu. On n'adore pas une image taillée. Ça devait énerver vraiment le roi de voir des étrangers qui sont dans son royaume, à qui il a donné beaucoup, et qui maintenant, il se lève contre lui. Il l'humilie, sans l'humilier devant son peuple. Ne pas respecter sa parole. Ah, je le vois sur son trône en train de trébousser du matin. Chauffer 7 fois plus le four là, la fournaise. Ils vont comprendre que ici c'est moi qui gouverne. Mais il ne sait pas qu'au-dessus de lui il y a un autre. Leur maître, leur Dieu est au-dessus de lui. Et pour finir, il a proclamé haut et fort que leur Dieu là est le vrai Dieu. Mais il a fallu qu'il résiste, il persiste, il persévère pour lui montrer que leur Dieu est au-dessus de son trône. Prenons, on lit le verset 11 aussi pour terminer ce point-là, dans ce chapitre 3. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je suis le commencement. Non, je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Quand notre Dieu décide quelque chose, c'est décidé. De même qu'on dit les lois des Médo-Perses, on ne peut pas irrévocable. Quand le roi a signé la loi des Médo-Perses, là, il dit on ne peut pas passer outre. La loi de notre Dieu est plus élevée que la loi des Médo-Perses. Pour l'homme là, on peut révoquer. Mais pour Dieu, c'est irrévocable. Que son nom soit loué. Lisons Ésaïe 41, le verset 13, le verset 14. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je suis à ton secours, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen. On a une crainte, frère. C'est une grosse promesse. C'est une grosse richesse pour nous. 55, verset 1 à 3. Tu es Esaïe.
J'aime bien ce passage-là. Une fois, je l'ai lu à Okouet. Il y a un frère qui n'a pas commis ma première question. Comment on peut aller acheter sans argent? Je dis, mais moi, j'ai lu ce qui est écrit. Je ne lis rien d'autre que ce qui est écrit. Vous tous qui avez soif, verset 1, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera des mets succulents. Alléluia. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Je coupe pour aller un peu plus vite pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. On va le lire dans les béatitudes. Lisons un peu les béatitudes. Et puis certainement, je pense qu'on va devoir arrêter. Si vous voulez, je peux vous donner les autres, mais ce n'est pas nécessaire. Même si je ne vous les donne pas, ce n'est pas nécessaire. Je pense que l'essentiel est lu et compris. Ce qui est nécessaire, ce sera ça qu'on aurait vu. Donc, allons voir dans Matthieu 5. On va lire un peu les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. On va lire à partir du verset 3, verset 12. On lira simplement verset 3, verset 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On poursuit. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les hommes de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Frères, sœurs, écoutez bien. Prenez chacun des points et appliquez ça à vous. Ou appliquez ça à nous. Donc si je reprends, heureux les pauvres en esprit. Si je suis pauvre en esprit, le royaume des cieux est à moi. D'accord? Si je suis un affligé, je serai consolé. Si quelqu'un est affligé aujourd'hui, il doit savoir que la consolation est pour lui. Si je suis homme de cœur, je vais hériter la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils sont rassasiés. Si tu as faim et soif de voir la justice accomplie, parce que la justice n'existe pas aujourd'hui, hein. Avec l'argent, même quand tu as raison, quelqu'un peut acheter ta raison. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si on est miséricordieux, nous aussi on va retenir en miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Frère, c'est important. Aujourd'hui, excusez-moi, je pense que la chose à laquelle nous devons prêter beaucoup attention, c'est l'état de notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Franchement. Le Seigneur sonde les cœurs, il sonde les reins. Comme on l'a lu tout à l'heure avec Samuel, 1 Samuel, Dieu lui regarde au cœur, les hommes regardent avec leurs yeux, ils ne voient qu'avec les yeux, mais Dieu lui, il sonde les cœurs, il regarde ce qui est dans le cœur de l'homme. Et ça, c'est important de savoir que ce qu'il a dit de David à Samuel, et qu'il a dit des autres également, nous concerne aussi. Nous devons nous appliquer cela. Que nos cœurs soient purs. C'est ça que dans Matthieu a dit, ceux qui ont le cœur honnête et bon. Est-ce que notre cœur est honnête et bon? Que nos cœurs soient honnêtes et bons devant lui. Pas devant les hommes, mais devant lui. Heureux ceux qui procurent la paix, qu'ils seront appelés fils de Dieu. On en a parlé. Frères, soyons ceux qui procurent la paix là où il y a des troubles, là où il y a des mésententes. Apportons l'unité, la consolation, la paix.
alors on sera nous appeler fils de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous avons la nature de Dieu en nous. C'est que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons le caractère de Dieu en nous. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand quelqu'un est persécuté parce qu'il veut marcher dans la sainteté, la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement sont toujours persécutés. Si vous voulez vivre pieusement, vous serez persécutés. Aussi longtemps que vous ne voulez pas être persécutés, donc ne vivez pas pieusement. Vivez comme le monde vit, tout le monde va vous applaudir, tout le monde va vous acclamer, tout le monde va vous aimer. Mais si vous voulez plaire à Dieu et faire comme Dieu le veut, sachez que vous allez être persécutés. Même dans votre propre famille, dans votre travail, dans tous les milieux, vous serez comme un oiseau rare, pas de mauvais augure, rare. Parce que vous n'avez pas le même, vous ne portez pas le même plumage que les autres. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Hier, j'étais affligé par les propos de quelqu'un. Parce que ses frères ont tellement mal parlé de lui que le fils, le petit-fils de son grand frère est décédé. Et l'un des fils de son petit frère, une brique, a quitté le troisième étage et s'est fracassé sur la nuque de l'enfant. Il a mis sa vie, dit, je mets quelqu'un à défi pour dire que ce n'est pas Dieu qui a fait ça à cause de moi. J'étais affligé. Et le père de l'enfant s'est levé, il a dit, tu ne sais rien. Quand il t'a fait le scanner, il n'y a aucun dommage dans le cerveau. Si ce n'est que la déchirure, l'ouverture qui est là, et qu'on a structuré, à part ça, il n'y a rien d'autre. Et quand on est parti, le médecin a dit, même du deuxième étage, une brique qui tombe sur la tête de la personne meurt sur le champ. Votre Dieu est grand. Si votre fils vit, c'est que votre Dieu est grand. Et l'enfant, ses parents lui avaient parlé, il n'écoutait pas. Et ce jour, cette nuit-là, il s'est levé à ses parents de prier pour lui. Et puis, d'après, il lui demande, mais pourquoi tu veux qu'on prie? Il m'a dit, tout à l'heure, quelqu'un s'est tenu là pour dire, si tu as vécu sa cause de la paix de tes parents, quand ça t'est arrivé, tu devais mourir. Mais tes parents ont prié pour toi, c'est pour ça que je t'ai sauvé. Alors, comprends et crois. Alors, quand un autre, qui est aussi parent, qui dit que c'est parce qu'on s'est moqué de lui, et que cela est arrivé, je dis, on est arrivé où aujourd'hui? J'assume ce que j'ai dit parce que c'est enregistré. J'étais affligé. Je leur ai dit, vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas la paix de quoi. Vous ne pouvez même pas prier ensemble. Mais vous n'êtes pas des chrétiens. Si, vous ne pouvez rien faire, ce n'est pas là où vous n'allez pas faire quelque chose. C'est possible. Si, là, vous ne pouvez pas être ensemble, ne pensez pas que vous allez pouvoir traverser votre plafond et puis aller. Ce n'est pas possible. Et quand je vois ça, vous devez plutôt prier les uns pour les autres. Allez-y, priez pour les uns pour les autres. Mes soeurs, mes frères, quoique j'ai parlé ainsi, après, le débat a été ranimé. Au point, ils sont partis à queue de poisson. Eux tous, il n'y a pas un qui ne dit pas qu'il est dans le ministère, dans le message. Il n'y a pas un qui n'est pas dans le message. Tous. Tous sont du même village, tous sont même, la même parenté. Ils sont tous frères. Même si vous en avez différents, mais ils sont tous frères, même père, eux tous. Faites attention à nos cœurs. Hein. Faites attention à l'état de nos cœurs, bien-aimés. Quand on en parle, souvent on pense que. Faites attention à l'état de nos cœurs. Faisons attention à l'état de nos cœurs. Est-ce que notre cœur est pur devant Dieu?
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Vous voyez, sinon, au lieu qu'il soit heureux parce que ses frères l'ont outragé, pour dire, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui, il a demandé à Dieu de les tuer. Qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alléluia. Ceux qui ont été avant nous, voilà le chemin par lequel ils sont passés. Si nous voulons marcher comme eux, sachant que ce chemin-là est aussi le nôtre. Même si aujourd'hui on ne le voit pas, peut-être d'une façon ou d'une autre, il a cours. D'une manière ou d'une autre, il a cours. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Pour dire, frère, maintenant, le dernier paragraphe, le dernier verset nous dit dans Colossiens 3, là, je le lis, puis on s'arrête là. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, faisons tout. Le verset 17. Colossiens 3, verset 17. Je me mets dedans. Et quoi que nous fassions. Vous qui êtes en ligne, c'est pas comme ça que c'est écrit, mais je me mets dedans. Et quoi que nous fassions. Je vous dis, et quoi que je fasse, en parole ou en œuvre, je dois tout faire au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mais excusez-moi, je voulais vous lire quelque chose, je n'ai pas lu. Permettez-moi de le lire avant. À la page 13 de l'investissement, là, je voulais deux petites choses pour nous. Excusez-moi, je vais le lire quand même. Ne sois pas frontalier avec Dieu. Ne sois pas des chrétiens frontaliers. Ne sois pas simplement un homme bon ou une femme bonne. Une bonne femme. Soyez rempli du Saint-Esprit. Baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Je reprends. Ne soyez pas frontalier avec Dieu. C'est-à-dire un chrétien frontalier. Ne soyez pas simplement un homme bon ou une bonne femme. Soyez rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le corps par le Saint-Esprit. Ne prenez pas des ouïdis, ni rien de cela. Restez là jusqu'à ce que vous mouriez. Que votre vie soit renouvelée en Christ et que toute votre vie soit changée. Ne prenez pas une émotion, une sensation ou quelque chose d'autre. Ne faites pas cela. Restez là jusqu'à ce que quelque chose se passe réellement et vous change complètement. Et pour le dernier, il y a deux choses à lire. Non, je vais lire seulement un. C'est ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut bâtir une organisation ou construire un groupe de gens que ça ira de l'avant de toute façon, que ce soit bâti par Dieu ou pas. Mais la seule chose qui satisfera au test, c'est une église de Dieu bâtie au moins de la parole de Dieu, remplie du Saint-Esprit. Elle doit être instruite par Dieu, inspirée par Dieu. L'homme n'a rien à y faire là-dedans. C'est Dieu et lui seul. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Je vais le lire. Je reprends.
Mais la seule chose, auparavant, il a dit, on peut penser qu'on va bâtir une organisation, on va créer une église, on va faire un groupe. Il dit tout ça là. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, la seule chose, c'est la main, la seule chose qui satisfera au test, si vous voulez faire le test, la chose qui permettra de passer le test, c'est d'avoir une église de Dieu, bâtie au moins de la parole de Dieu. Une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui doit être instruite, instruite par Dieu, inspirée par Dieu. L'homme n'a rien à y faire. S'il y a une église dans laquelle c'est les hommes qui travaillent, Dieu n'est pas là. Excusez-moi, l'église de Dieu, c'est lui qui l'a bâtie. C'est son esprit qui travaille là-dedans. C'est lui qui opère en tout. Si Dieu ne peut pas le faire, sortez de ce milieu-là, c'est des hommes qui dominent. Il n'y a pas de vie là-dedans.